pour auditeurs de tout continent. Avec pour vous accompagner, Mam Daourouad et Matamba Gueye, conte de légende avec Radio Sénégal International. Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, auditeurs de Radio Sénégal International, bonjour ou bonsoir, Mbokou, Yubariou, Tadouyou, Sel, Yini, Deglou, Tibatou Radio Sénégal International, il y a des gens qui sont en train de Mbekte, de Diakarlo, Watagienakfi, Tchatayou, Leb, Agdiatayou, Wahou, Tchossal. Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, à quoi sert le mariage? Comment se marier? Quel est le rôle des parents? Mbokki ñu né ab sey lu muy jariñ nan la nit wara wajalé ab seyam wajuri lan mo ci sen ak. La question de la famille est une question extrêmement importante dans les contes africains et les contes du monde. Xam nga né mbokki lepp lu jëm ci dundu kër dafa soxal lepp yi nga xamné moy lepp yi ñu am suñu dënd bi waye nak lepp yi nga xamné ño nekk ci aduna bi yépp. Si l'objet du conte est de faire l'homme, si l'objet du conte est de faire la femme, si l'objet du conte est de créer l'harmonie sociale, il va sans dire que la famille est le socle même de l'unité du conte. Il y a un bokki bu fekkentane li tax lepp jog moy defar nit defar gor defar jigen defar askan wi manesna japp ci lu amul ben weddi ne kër gi lay ñëk joggé. Comment stabiliser une communauté si on ne fait pas les familles? Et comment faire les familles si on ne réfléchit pas nos mariages? Mbokki ñu né aw askan nan la ko nit mëna défaré défar askan yu ba mu jakk bo défarut kër yi kër yi nan lañ mëna jaggé bu sey jagut. Voilà la grande question. Comment choisir sa conjointe? Comment choisir son conjoint? Ñu ne kon bokki laaj bi kay moy nes di tanné sa soxna wala nes di tanné sa borom kër nes di ko tanné. Quand je dis choisir son conjoint, ça peut heurter certaines personnes qui vont dire que la femme ne choisit pas. Mais la femme a le droit de dire non, je n'aime pas telle personne du fait de. Buma nak ni ñi tanné jëkër amna ño xamna seen xel man na ñaaw waye dañuy léral rek né jigéen amna sañ sañu bu ko goor bëgg sé mëna diiw mi jikom ji jëfëm ji taxna bëggumako. Il est donc tout à fait normal que les contes nous proposent un corpus extrêmement large sur le couple, sur le mariage, sur l'intérêt du mariage, sur les dangers à éviter. Quand on voit qu'il fait melné, quel devoir amène un goutteil? Brugesto, ça que nous avons mis le livre yiné, nous avons mis nak tak bo amne tak bo am solo la bu wax ci negu sey ak la ci bir lepp nan lañ ko wara teyé nan lañ wara moyto ya ca yak. Alors au bout du compte, je vais peut-être vous raconter un autre conte. Mbokki kon xamna na tay liñu japp rek moy wara waxtane ak yeen benen lepp bu bess. Un conte qui nous vient d'Afrique, particulièrement de la Tunisie. Muy lepp bo xamne lepp le bo xamne ci dendu Afrique gi lañ ko jëlé ci ciossanu rew mo xamne mom lañ tuddé Tunisie. Quand je dis conte, vous répondez raconte évidemment. Les bonnes, ngénéma amon na fi ba mo amé yene féké. Il y a très 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 longtemps mbokki ci jamono bu yagg ba, il y avait un prince mo amone ben domou bour et il s'appelait Wali. Ñu né kok nak Wali le tudon. Et ce fils de roi, ce prince était beau. Et il était extrêmement riche, mais il ne voulait pas se marier comme tout le monde. Il y a un homme qui a été marié, il a été marié, il a été marié, il a été marié. Mais il a été marié, il a été marié, il a été marié,
fa bayam ne mom nañ koy také neexuko mom day sak takkiunu bopam. Il avait donc décidé d'inventer de nouvelles règles. Ne pas se marier par convenance, ne pas se marier comme la coutume le veut, mais se marier comme lui le voulait. Voilà le décret unilatéral que ce jeune prince venait de créer. A gona goga nak doomi bour bobu nak ne mom mom dal ni ñi takké jabar ci dëkk bi neexuko mom day sak takkiunu bopam wax nim ko bëggé buñ ko ko mayé baxna buñ ko ko mayut bax. Son père lui avait demandé d'épouser parmi les princesses dont les pères étaient forts pour renforcer son royaume. Il refusa. Baye je fexé ne ko takal ci doomi bour yu jigen yi nga xamne sen baye amna doole ndax sunu lekkelo may ñu doole mu lank ba teud ci naaju. Son père lui avait dit d'épouser parmi les jeunes filles, les jeunes princesses dont les pères étaient aussi militairement extrêmement armés, mais il refusa. Il dit ñet baye amna ko kon te nga tak ci gono jigen yi nga xamne ñom ci sen bop seni baye dañi ay bour yu ami ngadnaay ngir ñu mëna ar suñu dëkk bi mu lank ba teud ci najuwa lank bay bajantu ami du monde gens de bien. Il refusa sans tête. Son père fit tous les efforts du monde, mais Wali refusa. Baye lepp lu ngeen yaakar ne wajur man na fa jaar ak domam ngir mu tak jabar def nako mu lank ba teud ci najuwa. Père disait Wali baye lako Wali dan wax je veux bien me marier, mais laissez-moi me marier à ma convenance, pas à votre convenance, car il s'agit de ma responsabilité. Lako baye sama munako baye balen ma tak jabar ni mako beugé ndax bu may am banex wala cionam negu sey du ngeen fa ne. Le père lui dit, le mariage lie certes deux personnes, mais engage deux communautés, pour ne pas dire deux familles. Pense-y, mon fils, pense-y. Je suis vieux et j'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. Baye dina ko dom de wax nga deug. Sey de goor ak jigen la. Waye na nga xamne dañ nan jigen ji tak nañ ko, manam jël nañ ko yok ko ci keur gele. Kon sey bu ne day bolé aw xet bolé ay askan waye yamuti ñaar ñuko sekk. Il s'entêta et les années passèrent. Wawla rek deuguer bop Wali deuguer bop rek ñu wax jëm ko jëm suuf mu deuguer bop at yey wey. Et un jour Wali dit voilà, maintenant j'ai fixé les critères à partir desquels je choisirai mon épouse, et voilà les critères. Wali da né ah légui nak man taxawna ci sey tak jabar waye nak ni la bëgg soxna ci mel. Il définit des critères presque impossibles. Mu daldi nak tek ay sart yo xamné kenn kuy jigen ko nekkon ci kaw souf danaka mënoko matal. On en déduisit qu'il voulait créer des barrières, qu'il était difficile, mais lui avait ses raisons. Ñu ne ki nak mom dafa bëgg te sey waye mom fekk mom amna lu mu xam lu mu waxul kenn mom rek moko xam. C'est pourquoi les wolof disent on ne peut pas raconter le rêve de quelqu'un. Pourtant, voilà, fini qu'un monte netli, ben man netli, gentu gun le netli out. Alors, le temps passa. Jamono idem. Un jour, Mboki, Bisnyaou, les femmes les plus belles, répondant aux critères presque décrits par Wali, envoyèrent des émissaires pour dire qu'elles étaient prêtes à l'accueillir. Jigen ñi japonne ñom sart yeke tak ñom ñaga ca dal di fexé ba yoni seni chamign ne len nanu Wali Ganesi. Le jeune prince fit le tour de ses villes, mais rien. Il était insatisfait. Aucune femme qui répondait à sa convenance n'était dans la liste dressée. Ah, mu jog solo dalam fon ko wo rek mu dem wuy ci waye ba mu wéré ba wër ñew daat na gisuma jabar juma bëgg ndax ñi dal melu ñu ni ma bëgg ci sama biir xol sama jabar mel.
amis du monde, gens de bien, chacun de nous a son jardin intérieur. Et les interférences dans notre jardin intérieur peuvent nous pousser à faire de mauvais choix, dit-on. Ne kenn ku ne ci ñun mbokk yi am nga lo bëggal sa bop. Waye nak yenn saay nit ñi bëggal la lo xamne yow gënalu la. Mais un jour, par extraordinaire, alors qu'il allait se coucher, alors qu'il était seul dans sa suite, alors que les gardes veillaient, une chose exceptionnelle se passa dans les suites du prince Wali. Bisnang mbokki mo am lu doy war lu am ana lan mo am kérok ñi nga xamne ñoy wattu ndegam bami fanan dañu taxaw tak sen jajj taxaw tej buntu yeb ngir mu tedd nelaw mu am lu am ci bir ndegam ta lolu jaaxal ko lol. Au moment où il allait juste se coucher, se déshabiller du moins pour se coucher, il vit une silhouette de femme d'une beauté inouïe pénétrer dans sa chambre. Mbokiya kérok ba nga xamé magay waji sumiku ngir teud dafa jek ba tiag rek mu xalmati jenn jigen jo xamné rafetay ba jek na dayo melowo jek na dayo mu ne ci bir negam. Il ne comprenait pas mbiri jaxal ko lol. Où était passée cette femme pour pénétrer dans sa suite à l'insu de ses gardes? Moune ndaw si fan la jar bu dugg ci bir neeg bi ba aksi fi te ñi may wattu kenn gisuko ci. Il n'en revenait pas. Mbir mi jaxal ko. Il écarquilla ses yeux. Il ne comprenait pas. Mu toxoñu waye mbiri jaxal ko. Amis du monde, gens de bien, auditeurs de Radio Sénégal International. Il regarda la femme. La femme était d'une beauté inouïe. La femme était d'une prestance et d'une démarche féline. Dans son mbokki, bim ko xolé beut ya ngay leer xet. Gëñe ña nga wéx ba melni wooru ciép. Bu dox melne kuy dox doxinu nat. Son cœur reçut un choc et il se dit « Voilà la femme que je cherchais. C'est le destin qui me l'envoie. » Il a dit qu'il aussi la bug. Il a dit « Yallah m'a couillonné. » Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, auditeurs de Radio Sénégal International. La femme regarda l'homme et lui dit « Je sais que c'est moi que tu attendais. » La femme idéale, me voilà. Dans ce rôle que je suis dit, je ne sais pas si je suis dit, je suis dit, je suis dit. Et il lui dit, tu t'appelles Wali le prince. Je ne sais pas si Wali, dorme bourbe. L'homme se releva et lui dit, comment connais-tu mon nom? Il dit, qui ne connaît pas ton nom? Toutes les femmes de ce royaume rêvent de t'épouser. Je ne sais pas si tu es Wali. Kep kuy jigen te beug sey bu sañon nga tak ko walu li di ka cela ne tienne. Mais dites-moi comment vous avez fait pour entrer dans mes suites. Munako waw soxna sey lolo bu weso wax ma no def ba aksi ci man. Peu importe, quand on aime on se donne les moyens de réussir son pari. Ndaw si ne ko lolo amul solo waye ku beug dalay jaral te jaral ma motax ma def pexi ba dugut sa bir neeg bi te ken teewuma. Amis du monde, gens de bien, le courage allié à la beauté avait fini de désarmer les dernières réticences de Wali. Je suis venu aussi, je suis venu à Wali, je suis venu à la rousse. Intérieurement, il se dit, j'avais bien fait d'attendre. J'ai la femme que je veux. Je suis venu à li tax ñu ne ko yag ci naaju ker fekk la ci ndaw si de mom la bëggoon. Invita la femme et lui demanda de s'asseoir. Tad ndaw si neew si togal gan teral. La femme lui dit non, avant que je ne m'asseye je voudrais te poser une question. Ndaw si nako bala may tok nak da am lu mëna bëgg laaj. Kassala na tienne, pose ta question. Si j'ai la réponse, je répondrai. Si je n'ai pas la réponse, je dirai que je n'ai pas de réponse.
répondit Wali. Wali ne ko lajal laj mom bat ak tonte rek buma mané tonte mom munta tonte ne la xawmako. La femme lui dit: je ne suis pas une femme facile. Même si j'ai pénétré dans votre appartement, j'ai un certain nombre de valeurs que je défends. Et je voudrais te lancer un défi. Es-tu prêt à relever le défi? Donc, si je n'ai pas vu que je suis une femme, La femme lui dit: il paraît que tu es un très grand joueur d'échecs. Mais non, je veux te lancer un défi. Joue une partie. Si je gagne, tu m'épouses. Si tu gagnes, tu fais de moi ce que tu veux. Ton esclave ou ce que tu veux. Dans ce cas, je ne sais pas si tu es là. Je veux que tu es là. Si tu es là, tu es là. Ce que tu as fait, c'est que tu es là. Mais si tu es là, tu es là. Wali se dit, ah, ça c'est vraiment des défis faciles à prendre. Quoi qu'il en soit, j'aurai une femme. Wali dit, ah, bi de nerna buma ñaké am jabar buma amé ndam am jabar. D'accord, mais Wali était un redoutable joueur. Il était le joueur que personne n'avait battu, ce fils de prince. Il était doué d'une science exceptionnelle dans ce jeu. Waye ndek de lu jëm ci yoté Wali da ci amone xarañ go xamné bam juddo ba tay kenn musu ko ci yobbu ndantali ami du monde gens de bien. La dame posa le défi et le jeu commença. Mbokki dans sa tok Wali tok. La dame avait des stratégies exceptionnelles. Wali ne revenait pas de la science de cette femme qui commençait à lui poser des problèmes. Wali jaxle lol ndax goute gumu tek rek ndaw sa dajju goute ga te fu Wali ndaw si tege goute Wali ne comprenait pas. Cette femme avait une stratégie d'attaque, de jeu, qui le poussait dans ses derniers retranchements. Chaque fois que Wali levait un pion pour le jouer, la dame avait déjà fait les 10 calculs qui devaient suivre. Wali yëkëté dom bëgg ték rek ndaw sa nat na fukki dom yé ci wara top. Wali était face à une redoutable joueuse. Wali mbokki kërok ndaw sim jakar lol jaxal nako. Quand le coq chanta ba fajar gi xaré ba ginar ga sap, il restait un pion sur l'échiquier. Kërok mbokki bi ginar gi sap ben doma dess ci wuré wi ndax ñinga yoté way ben doma samp. C'était un pion de la femme. Wali venait d'être battu. Ñu nek Wali ndaw sa mom na yoté ba ndax ben dom ba déssone ndaw sé ko mom kon Wali ñak na. La femme lui dit: tu avais promis de m'épouser, alors tu vas m'épouser. Ndaw sa nako da nga waxone né buma amé ndam nga tak ma kon nak tay da nga tak. Oui, je vais t'épouser, lui dit Wali. Mais j'aimerais te poser une ou deux questions pour mieux te connaître. Monako gorti wax ya dang ma tak na la tak waye nak dama la bëgguna laaj ay laaj ngir xam la jégé sima. Approche-toi de moi, lui dit Wali. Ndaw sa jog dox jëm ci Wali. La femme avança un peu vers Wali. Wali dadi setlu ne bi ndaw si rombé setu bi jëmmi ndaw si mom gisuko ci bir setu bi. La femme avança, passa devant la glace. Wali regarda dans le miroir et ne vit pas le reflet de cette femme. L'inquiétude pénétra son cœur. Une femme sans reflet dans une glace, est-ce réellement une femme? Wali dane ha ndaw si de amul takner ki mom fum jogé. Wali demanda à la femme de s'asseoir, la femme s'assit. Wali dane ko togal ndaw si tok.
Wally prit des chaussures de femme qui étaient sous son lit, les sortit et dit à la femme de les porter. Wally dit qu'il n'y a pas de temps, darbi dal di rocc ay dal li jigen yu newon ci soufflal bi nako dama newon bis bu amé jabar dal li lay ñëk sol demanda à la femme de porter les chaussures ndaw ci lank ba teud ci naaj bi la dame refusa et lui dit ces chaussures ne me plaisent pas, leur couleur ne me plaît pas, ce n'est pas de ma taille. Wali nak nako ne nga dal li neexula ne nga dal li sen melu neexula ne nga ni tollu baxut ci yow waye nak dang ko sol ndax dal li la am. Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, auditeurs de Radio Sénégal International. Lorsque Wally regarda, il vit au bout de ce qui semblait être des pieds, des sabots de vache. Ba Wally ne yun xol la wara nulo tank ndaw sa xam ngeen lam fa gis sa ay wéwu nak. Lorsque Wally regarda le corps de la femme, regarda l'épaule et le cou de la femme, Wally se rendit compte que ce n'était pas une femme, que c'était plus qu'une femme, c'était un esprit. Wally nekete kamu japon ni jigen la fanane yote ak mom ngir tak ko am melo wo xamni musuko gis ci jigen nekete koko du jigen jinne la. Ami du monde, gens de bien, Wally la poussa à porter les chaussures et un combat s'ensuivit. Wally ne connaît pas soldat li, mon ne connaît pas soldat li. Nous d'aller chez Japante, cher bon ramené, le palais était secoué. Car Wally était doté d'une force exceptionnelle et la femme d'une force terrible. Wally cher mom, dans ce cher mom, qui nous connaît chignon nak, amgo dole jo ramené, qui en fougue en connaît nak, qui est ami du monde, gens de bien, auditeurs de Radio Sénégal International. Alors voilà. Voilà comment la femme força la porte, se transforma en tourbillon et disparut de la chambre. Ndaw sa mbok yi dadi fakk buntu bi sopaliko cial wer naw rek dem. Wali était en sueur et en transe. Wali mbok yi ñak toy xep mel na kuy daanu di lox. Wali na revenait pas. Wali mbok yi kenn mënu la wax kérok lamu yëk. À 10h ban togi bu fukki waxtu jot ci yor bi Wally s'avança la tête baissée vers son père. Wally waxu dam dal di gis bayam. Il lui raconta ce qui était arrivé dans la nuit, dal di netali bayam li am ci goudi gi. Son père lui dit bayjaneko ka cela ne tienne, lo am baxna. Prends tes responsabilités. Tu avais décidé de ne pas épouser une femme selon nos convenances. Mon ok, yane wande nyun nini maye jabar bahut. Baga baga wut sa mayu ne jabar. Wally lui dit, père, je m'étais trompé. Je pense que finalement je vais vous laisser me choisir une femme. Baye dina ko ngane lan. Mon ok, dina kay baye ko ngane matakal ma jël. Le père lui dit, le mariage n'est pas juste le simple fait de réunir deux personnes. C'est une communauté de destin qu'il faut certes bien réfléchir, mais décision à laquelle il faut associer la communauté, ne serait-ce que pour écouter les avis. Mon ko do wax nga deug sey de donte ñaar ni takoy bok day lo xamne bala nga ci dugg waxtaan ak say mbok ngir bo dajale seen xalaat mana baña joom. Ami du monde, gens de bien, c'est ainsi que Wally a épousé une femme intelligente et sobre. Une femme certes pas très belle de l'extérieur, mais belle de l'intérieur, qui lui donna une famille exceptionnelle. Wally dal di mujjé dem xol ndaw sa gëna yaru ci dëkk ba donte gënu fa rafet waye mo fa gën jikko mu takk ko ñu am ci doom yu bari lepp duggé fa tabbi geej bakkan bu ko ñëk foon tabbi ci aljana ja. C'est ainsi, ami du monde, que prend fin l'histoire de Wally et que prend fin cette émission que Moussa Mbaye a techniquement réalisée et que Massa Mbegay vous a présentée. Contes et légendes vous disent au revoir. Le premier qui en renifle l'air ira au paradis. À la semaine prochaine. Dis à la semaine prochaine. Dis à la semaine prochaine.